Coucou les Scrapaddicts, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer mes petites créations en ce moment. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop le moral. C'est un jour sans. Alors, je suis dans mon petit atelier pour me ressourcer. Ça me fait du bien. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Mon homme m'a commandé des plaques aimantées. Et je suis en train de faire. J'ai vu un tuto sur une chaîne. Et je suis en train de faire des petits albums pour mettre en fait toutes mes dies. Parce que là, je les ai mis dans des boîtes, mais je les laisse dans les pochettes. Et bon, c'est pas trop trop pratique. Alors là, j'ai fait ce système que j'ai vu sur une chaîne. Donc voilà. Ce genre de petites créas que j'ai fait cet après-midi. Voilà, j'ai plus qu'à mettre les plaques aimantées. Donc il y a pas mal de petits volets. Je vais vous basculer pour que vous voyez mieux. Alors il y a plein de petits volets pour mettre en fait les. J'ai plus qu'à mettre les plaques aimantées que je vais recevoir que mon homme m'a commandé là. Parce que je ne les trouve pas dans le commerce. Donc une petite commande. Voilà. Et mon homme m'a commandé aussi deux dies sur le thème des chats. Parce qu'avec toutes mes photos de chats, avec tous mes chats, donc je les attends aussi. Voilà. Ça va me faire une nouvelle créa. Alors là, j'ai fait ce nouveau système que j'avais vu. J'ai trouvé ça super sur une chaîne. J'ai dit, bah, je vais essayer. Donc voilà. J'ai fait ça. Parce que des plaques aimantées, j'en avais que des toutes petites. J'en ai pas suffisamment, j'avais que deux comme ça. Voilà, donc il m'a commandé des grandes, enfin, des A4, format A4. Comme ça, je vais pouvoir mettre dans ces petites pochettes. J'en ai fait une autre. Là, c'est avec le. Comme en ce moment, je suis bien dans les petites fleurs. Là, c'est des petites fleurs qu'on a mis dans des jardinières sur notre petit muret, là, vers notre maison. Alors j'en ai fait sécher quelques-unes. Donc ça c'est des petites fleurs. C'est pas des fleurs des champs. C'est des petites fleurs de jardinière. Différentes petites fleurs. Voilà que j'ai mis dans une pochette plastifieuse avec trois petits mots. Voilà, c'est toujours le même système. J'ai mis un petit cratch pour tenir. Et j'ai plus qu'à attendre de mettre les plaques pour mettre les dies. Voilà ce que j'ai fait. Et là en ce moment, là, ça y est, je suis en train de faire ces petits Memory Decks. Hein. Donc c'est les premières que je fais. Donc j'ai fait ce petit modèle. Derrière, j'ai mis les petits cachets de cire que je fais avec une petite un petit tag. Voilà. J'ai fait ça. Et là, je suis en train de scraper cette photo de ma mimine. Praline. Alors j'ai sorti en noir et blanc, je trouve que ça faisait un petit peu romantique. Donc voilà, c'est une bonne petite mère. Elle est là dans le chemin vers les chevaux qui sont juste en dessous de chez nous. Donc voilà. Et là je suis en train de faire cette page avec ces petits embellissements à peu près qui viennent tous d'Action. Voilà. Voilà, je suis en train de faire ça. Et là, j'ai fait une autre petite Memory Dex hein, dans une petite enveloppe aussi des papiers Action. Donc, j'ai fait ce système. J'arrive à l'enlever. Voilà, voilà j'ai fait celle-ci qui est un petit peu plus vintage. Avec une petite pochette derrière aussi. Et puis un petit tag, des petits oiseaux. Voilà, j'ai fait ça cet après-midi. Pas trop le moral aujourd'hui, donc comme ça, je me mets dans mon petit atelier et là, je pense plus à rien. Voilà, je voulais vous faire partager ces petites créas que je suis en train de faire. Bisous, à plus, bisous, bisous.